Marie-Olive Lembe-Kabila, durant son séjour dans le Maniema, a visité l'école technique de Kalima. C'est une infrastructure qu'elle a dotée à cette population, une manière pour elle de contribuer à la formation dans cette contrée du pays. Après 36 km de route, le convoi s'arrête à Kalima, le temps de visiter cet institut technique professionnel industriel qui porte le nom de Marie-Olive Lembe-Kabila. Et pour cause, elle en a financé la construction complète et l'équipement composé de matériel de dernier cri. 170 élèves y sont régulièrement inscrits. L'établissement a été longtemps remis entre les mains de l'État congolais. Je veux quand même remercier d'abord l'initiative de la maman Olive Lembe de construire une école pilote, c'est une école pilote de Kalima. Et jusqu'à présent, parmi les écoles techniques, celle-ci, elle est la première. Alors, pendant que c'était après l'inauguration de la, c'était à l'époque la première dame, et après l'inauguration, nous sommes restés avec les élèves. Nous avions commencé à les encadrer. Et jusqu'à présent, les enfants reçoivent quand même donc, un enseignement de qualité. Et souvent, quand nous les accompagnons à l'examen d'État, ils fournissent quand même un bon résultat. Trois options sont organisées, à savoir la mécanique générale, la menuiserie et la construction. Les mamans de Kalima, des notabilités et des élus du peuple, venus présenter leur civilité à Marie-Olive Lembe-Kabila, ont reçu quelques présents. La surprise du jour, c'est ce repas que Marie-Olive Lembe-Kabila a été invitée à déguster. Avec humilité et sourire aux lèvres, des détails qui marquent au plus haut point sa tournée dans le Maniema.